Inna alhamdulillah. En réalité, tout mérite, tout arrive, tout élose pour Allah. Alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Li Allah, c'est lui qui pense aux faveurs, pense aux grâces. Nous voilà en convivant, accomplissant des bonnes œuvres. Être en convivant et présent dans Jum'a, c'est pour faveur Allah, pour sa volonté, pour sa grâce, pour sa bénédiction, qui est capable d'accomplir. Alhamdulillah, il l'a dit, khalaqana, rendez à Allah celui qui fait créer nous, wa ashhadu, anna Allah lam yakhluqil bashara abasan. Et vous témoignez qu'Allah n'a pas fait une créer humain sans raison. Et qu'il le retour final du propos Allah même, et alors Allah vous prend compte avec nous. Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala fait ici le Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ Est-ce l'insan a pensé qu'il faut quitter les groupes samen, qu'il y a là pour quitter les groupes samen? Comme samen, Rabboul Alamin dit, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا بالله؟ Est-ce l'insan a pensé pour quitter les groupes samen quand il fait une prononce ou une iman de Allah? Pour vous la yuftanon et pas vous mettre à l'épreuve. Comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, afahasibtum annama khalaqnakum abathan. Alors est-ce qu'il va plus penser qu'il est possible de faire créer sans raison, wa annakum ilayna la turja'un, et qui où que nous, on n'a pas pu retourner, pas de frère, pas de sœur. Dans plusieurs Jum'a du passé et dans les leçons qui traversaient, Allah, il fait faveur à nous et il concrétise la compréhension qui pénalise, qui est capable de prendre effet dans sa existence-là, au hasard. Il n'y a rien qui est capable de prendre effet dans sa larmina, un coup de manqué, un coup de sens. Et pour nous venir plus tirer, nous n'avons pas encore vivant, excepté pour les décrets, pour la prédestination, pour la volonté, pour Allah se rouler, Allah se désire. Par Allah, ça qu'il fait écrire, il fait comment la plume pour écrire, par Allah, sous permission, tout relié avec Allah, n'en est pas capable en effet, sans qu'Allah les connaît, sans qu'Allah les oule, sans qu'Allah ait dans sa volonté là. Alors nous voilà dans le premier Jum'a, premier vendredi dans le mois. Dil-Qa'da. L'autre mois, c'est Dil-Hajj. Dans ce mois-là, notre famille, Ummat et Rasoul, pour prendre direction Makka, pour accomplir Hajj. Je dois arriver là-bas, le premier Dil-Hajj, où je prends des bords, depuis place que Dieu dit dans l'hôtel, les huit Dil-Hajj pour accomplir la grande pèlerinage dans Arafat. Sa moi, Dil-Qa'da, c'est un mois de préparation pour l'accomplissement grand pèlerinage. Après qu'une fête traverse un mois Shawwal,
mois Shawwal qui débutait le premier Shawwal en célébration Eid al-Fitr. En convivant dans sa première Jum'a dans le mois d'Il-Qa'da, l'Ipa insère faveur d'Allah, mais il y a une faveur immense. Si nous suivons par le khutbah qui nous fait depuis commencement après Ramadan, on arrive jusqu'à là dans le premier Jum'a dans Dil-Qa'da, alors nous avons besoin de retenir un sujet très très important, le rappel. Le rappel qui nous fait entamer pendant quatre Jum'a. Donc on rappelle le premier Jum'a qui nous fait dans Shawwal, nous cause l'importance pour nous-mêmes, nous gagner conviction qui nous va dans un mal inacceptable. Mais la même qui nous dit, rappelle-je, prescription dans la file, dans ce yam, et nous dit, rappelle-je, qui je vais jeter ma doigt pour Gaza, qui en couille dans la guerre, nous dit, rappelle-je, qui je contribue pour ma zine, pour l'école, tout ça. Et ensuite, si je les rappelle, et à partir maintenant, là, nous causons qui nous en co-vivant et nous conscients qui nous en co-vivant et l'essentiel dans la vie en tant que vivant, en tant que croyant, en tant que musulman, l'essentiel dans la vie, c'est nos âmes, nos nafs. Si c'est pas nous les corps, et c'est pour nous âmes, nos mots. Nous lisons rester, nous cerveaux rester, nous les guerres rester, nous l'armée, nous les pieds rester. N'en y n'a pas pour opérationnel si il ne sait pas l'ego avec roux, l'ego avec nafs. Donc, votre frère, votre sœur, dans sa moi, Dil-Qa'da, nous pouvons essayer et nous demande Allah sur l'assistance. Que Allah rende nous conscients l'importance pour nous purifier nos âmes et nous prendre nous l'engagement avec Allah, avec une âme pure. Nous démontrer dans l'application Allah sur la loi dans la vie, nous démontrer nos soumissions totales à la volonté d'Allah qui est la seule mode de vie acceptable dans la considération du Créateur pour ce créature qu'appelle humain. Donc, mon frère, ma sœur, l'essentiel dans l'homme, son âme, et quand on comprend qu'au nafs, c'est ça une chose qui est essentielle dans l'eau, et quand on comprend qu'au humain, où il y a un système de fonctionnement, comme à la semaine dernière, on le rappelle, au système de fonctionnement, c'est le rationnel. Le rationnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ou raisonner, ou comprendre, ou établir une conviction, et la base de sa conviction-là, ou forme, ou bonne mentalité, ou bonne caractère, ou bonne comportement, ou réaction. Ou réaction, il prend dimension à une détermination, quand raisonnement, il est positif, et les guerres, contempler mes idées, comprend les positifs, alors les là, ça, l'ensemble, l'esprit avec les guerres, l'ensemble, l'esprit avec les guerres, les bâtir la conviction qui dirige la réaction. Pour qu'il est humain,
pas faire erreur dans ce système de fonctionnement. Allah qui donne lui ce système de fonctionnement là. Allah qui fait rouler que l'homme réagit par le rationnel. À chaque fois qu'on parle moi, qui mentionne le mot rationnel, pas faire mentir ou pas comprendre, parce qu'Allah nous peut expliquer. Le rationnel veut dire raisonner, comprendre et conscient. Ou une créature, Allah il crée où pour ou réagir par le rationnel. Si ou ibada, il n'a pas basé le rationnel, Allah il a tout droit pour régir ou ibada, mais on peut faire avec supposément concentration. Un pied, ben soiseau, la terre, les ciels, ben l'océan, tout ça, ce sont des créatures d'Allah qui Allah n'a pas atteint des autres, qui sont réagir par le rationnel, par raisonnement, par compréhension, par l'état de conscience. Cette bonne réaction, Allah il décrète qui se produit à cette bonne réaction par l'instinct et par cette nature. C'est par nature qui se réagit et par l'instinct qui se réagit. Mais nous, Allah il décrète et Allah attend de nous qu'il nous réagisse par le rationnel. Et c'est à nous qu'Allah a confié la responsabilité de la gérance en son nom. Parce que nous sommes le rationnel. C'est pas le rationnel, il n'y a pas le système de fonctionnement qui est basé sur le raisonnement, la compréhension, l'état de conscience, parce que pas le rationnel qui l'homme capable de servir son habilité de décision, premier de choisir, de décision et d'application. Sans le rationnel, Allah n'est pas capable de décider. Soleil pénal le rationnel. Soleil pas décidé. À l'infini décide son orbite. Il suit une scène orbite. Il n'a pas de possibilité pour lui sortir en dehors de sa orbite là. Et lui dire au mon maître, à cause du monde qui peut désobéir à toi, mon refuge sortit, soleil arrête son site. Soleil n'est pas capable de peiner sa habilité-là parce qu'il n'a pas une crée pour réagir le rationnel. Ou à l'aide de nous, un droit. Je dis à Famancha Aminko, Yukmin, si on vit avec l'Iman, amenez-moi de nous libre choix. Parce qu'il donne nous le rationnel. Maintenant, un humain qui est malin, un humain qui réellement l'intelligent, un humain qui réellement il arrive sur le point qui besoin d'arriver, son réaction, une seule réaction du point là, c'est la soumission totale à la volonté d'Allah, pas le rationnel, pas comme traditionnel. Le contraire du rationnel, c'est traditionnel. Le contraire du rationnel, c'est traditionnel. À cause qu'on prend naissance dans la case d'un maman, un papa, qui appelle ce musulman, à cause ça, vous pouvez considérer au musulman. Ça, c'est le traditionnel. C'est pas le rationnel. Et Allah n'a pas une créo pour offrir ben, l'action qui est basée sur le traditionnel. Allah, l'une très haut, l'une faire ou bien un humain, ou non même différent. Nous allons l'appeler animal, nous allons l'appeler arbre, nous allons l'appeler la terre, le ciel, nous allons l'appeler l'océan, ou appeler humain. Dans le nom qu'Allah appelle en arabe, Al-Insan, dans le nom qu'Allah appelle en arabe, Al-Insan, c'est un animal intelligent parlant. Un animal qui parle, qui est intelligent, en deux mots, qui est dans le rationnel. Allah subhanahu wa ta'ala,
Li donnons un système pour capable raisonner, li crée l'intelligence. Et quand il crée l'intelligence, dans sa cerveau-là, il y a un mind, il y a l'intelligence, il y a ce qu'on appelle l'esprit. Comment vous faire l'esprit travail pour y amener un raisonnement, ça n'a pas où décontement, n'a pas où qui décide ça. Et là, les amis, cause avec vous là. Ban lettre, bin ban mot, bin ban phrase, bin ban expression amène une compréhension. Et comment travaille là? Mot, lui bin lettre, bin mot, mot bin phrase, phrase bin expression, y avait une compréhension. Avec aussi une mobilité sur la mauvaise cause. Sa cause et sa parole de mon plaisir, c'est un ensemble de mon mot, de ma phrase, qui vient une expression compréhensible pour amener ou vers une orientation, pour encadrer ou vers une décision. Quelle manière pour produire la voix? Quelle manière pour faire ça va l'éclairer mon mot, une bonne phrase? Qu'aliment une expression et établir une orientation, amener un encadrement, faire ou prendre décision, par une motivation. Comment vous faites ça? Tout simplement, vous parlez tout à l'heure en détail. Vous voulez tout simplement vous réaliser que c'est la divinité d'Allah, la volonté d'Allah qui est en activité dans où l'existence. On n'a pas pour capable réaliser une action de Dieu, ça qui bon Dieu tout seul capable faire, ou l'esprit d'âme, l'esprit créature, ça. Tout ce qui appelle créature, c'est Allah son créateur, c'est Allah son propriétaire, c'est Allah qui crée l'esprit pour raisonner, c'est Allah qui crée l'esprit pour raisonner. Alors, raisonner veut dire service à l'esprit-là dans la direction que le Créateur lui crée cet élément-là pour le travail. Mais quand vous servez l'esprit pour raisonner, le propriétaire à qui vous appartenez, lui en a l'obligation comme propriétaire responsable, le créateur qui me crée, avec sa système qui basait loin de raisonnement, loin de compréhension, qui basait loin de l'état de conscience, lui en a l'obligation pour alimenter le système, qui ce premier step pour amener le rationnel, ce premier step, c'est le raisonnement. Pour ou n'a pas fait erreur dans le raisonnement, ou qui ou raisonne positivement, et ça vient, veut dire, ou raisonnement positif, vient une réalisation de son œuvre. Ou raisonnement positif, vient une réalisation de son œuvre, de son gloire, de son mérite. Quand un pied peut réagir, quand un pied peut réagir, quand la terre peut réagir, quand le soleil peut réagir, quand la lune peut réagir, quand l'océan peut réagir, quand la pluie peut tomber, mais la doute c'est la même qui réagit. Mais réaction un pied, il va faire Allah émerveiller. Réaction la terre, il va faire Allah émerveiller. Quand Allah qui est dans l'intérieur, qui est là, quand Allah est dans l'intérieur de la terre, dans l'intérieur de l'océan, Allah avant même, il est déjà connu, qui est là, il n'est pas aware, qui est là, il n'est pas conscient. Les ciels, la terre, le soleil, la lune, l'océan,
je n'ai pas aware, je n'ai pas conscience, qui je réaction, c'est l'obéissance de je maître. Non. Je peux être rationnel. Ou il n'a le rationnel, et Allah est dans l'hypédé dans l'intérieur. Il peut trouver qui ont raisonné, ont trouvé besoin d'obéir à Allah et démontrer sa obéissance là dans une solution totale. Ou il n'a possibilité pour ne pas obéir, pour résister, pour désobéir, mais on choisit pour obéir par le rationnel, par raisonnement, par compréhension, par l'état de conscience, alors l'éana ou l'obéissance est une valeur pour Allah. Vous connaissez, mon frère, ma sœur, peut-être si vous mentionnez ce hadith-là, il vous capable d'aider pour comprendre. Allah lui tient très haut cassier. Et Allah, il a envie de manifester sa gloire, l'éana il crée humain. Tous les restes qu'Allah crée, quand Allah manifeste sa gloire, qui s'en a pour contempler? Un pied, un oiseau, la terre capable de contempler? Mais ça y mène là. Quand il vit devant ce robe, et ce robe qui est dans son intérieur à trouver, et dans les plaisirs, Allahu Akbar, et dans les plaisirs, Rabbi, et dans les plaisirs, Rabbana, cela trouve dans son intérieur sa expression-là, lui baser le raisonnement, lui coule la compréhension, lui rend l'individu conscient. En d'autres mots, ça, il s'en la connaît, qui lui connaît, lui appelle ce roche, ce maître. Là, sa expression-là, et n'a un valet contre Allah. Sa expression-là, lui émerveille Allah. Allah appelle ce matrange. Qu'est-ce que Mouganda peut faire en louange? Allah parle avec mon pied. Sa banda peut faire en louange-là, voler de 2000 ombrages. Allah appelle le soleil. Allah appelle la pluie, Allah appelle la terre, Allah appelle mon ange qui administre tout cela, dit, et mon ange, mon content est-il? Parce qu'avec le rationnel, avec ce système de fonctionnement qui basé sur le rationnel, lui peut appeler moi, lui peut adorer moi. Oui, mon d'accord, je suis aussi mon pied, je t'adore moi, la terre doit adorer moi-même, les ciels doit adorer moi-même. Par l'océan, la pluie, le soleil, la lune, je t'adore moi-même. Cette adoration n'a fait le sens du rationnel, sens d'expression, et n'existe instinctive, et n'existe nature, mais peine significance, peine meaning. Je n'ai pas la possibilité pour ne pas désobéir. Je n'ai pas une choisir pour obéir. Mais insane, par le rationnel, lui, il a un choix. Soit lui obéir, ou bien lui désobéir. Quand ça insane là, lui choisir pour obéir, le base du rationnel, ça insane là gagne sa vraie valeur, il gagne sa dignité, il gagne sur l'honneur, il gagne sur respect, sur valeur, sur l'honneur, sur respect, premier de la part de son maître, deuxième de la part de l'exécutif du maître, par ange, et troisième de la part de toute la création. Soleil dire, mon péché aussi à cause de sa moumine là, mon péché aussi à cause de sa ummah de Mohammed là, la terre avec gloire, côte toilée, lui faire tout et l'ose. Pas de ange, gagne l'autre pour compte en toi, pour protéger toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, chaque moment qui te fait penser, chaque moment qui te fait appeler, pas le rationnel, quand il peut être dans ton intérieur, Allah n'a pas été qui te dire, qui te fait
mais Allah dit dans te l'équerre. Un frère, ma sœur, il n'est pas difficile pour comprendre ce qui est autant de moi pour l'expliquer. Mon réveiller tout dans nous l'existence, ce qui est plus essentiel, ce qui est plus essentiel dans nous l'existence, c'est nous nafs. Si Allah tient nous nafs, nous mourons. Et jour qui nous tombe dans sa crâne, jour qui nous rentre dans l'agonie de la mort, ange de la mort, il vit contre nous la tête. Et dans le vide contre nous la tête, il cause avec nous nafs. Il dit un nafs là, encore 7 jours, nafs la connaît. Et 6 jours, il y avait les 6 jours. Et 5 jours, il y avait les 5 jours. Et dans les jours pour y aller, il y a Ayyatuhan nafs et nafs. Irdiri ila rabbi, redoun kutura. Là, comment nafs la tente ça? Nafs la déraciné depuis dans pousse les pieds, il sortit, il vient dans séville, il sortit contre séville, il vient contre genou. Rabbou la lamine, dira, ou al taffati sa, lissa. Séville pour t'avec séville, genou pour t'avec genou, et te pour trouve, te pour sentir de l'eau qui n'arrive que de hulkoum. Qu'Allah, il a balaqati l'hulkoum, dans sa âme, dans sa nafs là, il n'arrive que de hulkoum. Qu'Allah ida balarati taraqiya, quand sa nafs là il arrive que sa délaisseau, que de l'ikoula là, wa qila man raq, l'ela ange là pour causer, pour dire avec toi, man raq, qui s'en a pour faire rukia pour toi? Là, tes oreilles, il n'arrive de travail là. Là, tes l'esprit, il n'arrive de travail là. Là, tes les guerres, il n'arrive de partir. Il met toi l'eau, la pompe, l'oxygène. Là, le système, il n'arrête de fonctionner. Rouh, nafs qui tendait, et ce n'est pas oreilles qui fait à toi tendir. Ce n'est pas les yeux qui fait à toi trouver. Ce n'est pas l'esprit qui fait à toi raisonner. Non. C'est l'âme qui rend opérationnel le système rationnel de l'âme. Voilà mon explication pour aujourd'hui. Là. Donc, on continue cette explication ce soir. L'eau est rationnelle. Et ce qui est plus important dans tout là, c'est l'âme. L'âme. Les temps à l'infini créneau, les temps à l'infini créneau, les diamants orange, allez à l'autre de la terre partout, ils finissent avec la terre, ils mélangent avec de l'eau, ils mettent la boue, ils rangent ça, ils sont là. Allah, il soufflait ce nafs, ce âme. Allah, il est immortel, l'âme, il est immortel. Quand il y a rouvre la sortie, redoute ton tomate. Rouvre la sortie, toi que l'étoile pourrit, rouvre la résurrection. Mais dans Allah, avant qu'il y souffleront dans nous les corps, quand Allah souffleront dans nous les corps, mais dans les souffler pour nos papas Adam, alayhi salam, ça c'était premier humain. Après Allah a décrété qu'il besoin d'un homme et d'une madame qui mariaient. Léla et là, forme à son enfant, le 120e jour, l'enfant est fini formé. Fini formé l'enfant. Le 120e jour, ange qui forme les enfants dans le ventre. Ça, c'est qu'ils m'ont expliqué là, les bouts de Hadith, à soi de Paul Masdouk, rapporté par Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, et les trouve dans Sahih Muslim. Hadith authentique. Hadith, à soi de Paul Masdouk, rapporté par Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, et Hadith la trouve dans Sahih Muslim. Il peut dire qu'il ange, qu'il forme son enfant, il finit mettre ce système d'oreille, il finit mettre ce système néné, il finit mettre ce l'allée. Tout il paraît, ou bien dans le scan, ou vous trouvez ce léguer, les bâtés, ou vous trouvez ce tibisier, ou vous trouvez ce narine, ou vous trouvez ce oreille, tout vous trouvez là. Le 120e jour après Namaz Asar. Ange là demande à Allah, Adakaroun Amkuntha, il voit le mâle ou bien il voit le femelle. Allah a dit, mâle. Et là, il fait formation sexe, les enfants. Et là, avant Maghrib, Ahayoun Ammayitoun, est-ce qu'il voit le vivant ou bien il voit le beau? Si Allah répond, il voit le vivant, alors il est là, Allah souffle le rouge.
le sang va circuler. Avant qu'il y ait la souffle l'eau, tant bien sincèrement qu'il y ait la paix là. Wa nafsi wa ma sawwaha. Allah fait serment le nafs, et c'est lui qui façonne nafs. Comment nafs était? Nous humains, nous n'avons pas de sens. Nous sommes capables, nous capables de trouver, nous capables de tendre, nous capables de goûter, nous capables de sentir. Est-ce qu'il te déjà attrape de nafs? Est-ce qu'il te déjà goûte de nafs? Est-ce qu'il te déjà senti de nafs? Ça même cinq sens qui te n'a. Si tu as le sens, nafs qui est plus essentiel dans de la vie, il n'est pas accessible à tes sens, alors il est là. Est-ce que tu es un nafs pour me causer toi là? Tu es un nafs là, mais tu es pour me causer là. Oui. Mais j'ai un nafs. Nafs qui concerne Zistola, de science avec tout le monde gouvernement, pas tout capable de connaître, qui appelle les nafs. Yes, alunaka anir roha. On a besoin de toi qui est sa roha. Oli roha min amri rabbi. J'ai ce roha qui concerne Zistola. Personne n'a la quantité de connaissances pour comprendre qu'il était un nafs. Mais depuis de pousser les pieds, vous poussez le pouce à tout là, pousse le pouce. Allez, pousse les doigts. Battez les jeunes là, de trouver un nafs là, il va partout. Il faut un nafs pour les pousser là, sa misère là, là. Sa souci là, la force de souci un coup. Gloire de la main de l'été. Il faut un nafs pour les bouger, pour les opérationnels. Nafs, une façon d'une façon, qui les rend partout. Comment y est-il? Je ne pas connaître. Mais, c'est qui te connaît. Allah, il a contrôlé le nafs. Allah, propriété de nafs là. Allah connaît, il peut trouver le nafs. Ange qui vous vient de faire de la vie, il cause avec nafs là. Les dents de finiment, de nafs les rester. Et de nafs suivre Maliat Layari. S'il y a un mauvais du monde, nafs la trier les yeux, écoute ce qui arrive avec lui. S'il y a un bon du monde, qui fait ce pétard de la vie, tout créature attendait, excepté Dine avec une sainte. Et pourtant, nafs, plus essentiel dans la vie. Nafs, c'est les purifier. De la vie est en entier pour purifier, de l'éther pour pire, de l'esprit pour pire, de les yeux pour pire, de l'action pour pire. La purification de l'âme, la purification du nafs est d'importance inestimable. Pas d'abord même un mot pour qualifier jusqu'à quel point qu'il est important pour purifier l'âme. Est-ce que ton âme, tu es content de la purification? Oui, vous êtes content pour avoir une purification. Si mon âme a une purification, avec mon lapis sans net. L'âme, c'est une chose qui concerne Dieu seulement. Alors, on l'a dit dans chapitre 21, ça te remet pour aujourd'hui. Chapitre 24, verset 21. Chapitre 24, verset 21. Chapitre 24, verset 21. ولولا فضل الله عليكم ورحمته اسباتي فافير الله لوزر اي الله سو غراس لوزر ما زاد منكم من احد ابدا بيرسون كوم يوزر باسي بوغا لا بيوريفيكاسيون ولكن الله يزكي من يشاء مي الله دي بيوريفي سي لوي كي لي انفي تو فان في ديامون تو بيغا بيوريفيكاسيون لا Tu vas faire dire moi là, oui, bien la purification de l'âme. Parce qu'il y a une nafs, il y a une grande importance. Avant, Allah, Allah est avant toi. Allah qui purifie l'âme, sans son faveur, sans son grâce, sans son bénédiction, personne ne peut gagner jamais la purification. Qui fait à te tourner quand l'imam en Colombie, qui fait à te quand Allah, ô mon Rab, purifie-moi. Demandez. Demandez. Parce qu'Allah, il informe toi et il peut observer l'été qui te fait là. Voilà, qu'Allah khalaqna l'insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Nous faisons très du monde, nous connaissons qui sont nafs pédialias et l'ana. Demandez. Demandez purification. Dis en créole. Voilà, purifiez vos âmes. Voilà, purifiez vos âmes.
Moulé de réagir. Mon Dieu, je te regarde, Juma, après Juma, un petit bout de réaction. Bizin, entreprendre, sinon, Allah parcourir les bras croisés, Allah mon pignon. Oh Allah, purifiez-moi. Oh Allah, nous ne pouvons pas vivre sans une âme pure. Quand tu as une purifiée, toute action pour pure. Allah, il investit l'un âme qui pure des petites choses essentielles. Allah investit l'un âme qui pure des petites choses essentielles. La guidance et l'assistance. Allah vous guide-toi et lui vous donne-toi tout ce qui te dit. Après le premier hada, ça c'est mon message pour Stella. Astaghfirullah alayhi wa lakum. Je demande à Allah pardon pour moi et pour aussi. Wa lissaïm les muslimin wa muslimat. Astaghfirullah. Aussi demande à Allah pardon. Inna hu al ghafur rahim. En réalité, Allah est un grand pardonneur et Allah il a beaucoup pitié pour ce qu'on s'est dit. نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وكونسي ممن بلو فيف دان تقوى الله تقوى ستن بروفيشن كي الله أكودنو et la purification aussi ستن بروفيشن كي الله أكودنو. Allah, il crée nous dans les besoins. Allah, il commande nous pour demander lui. Et accorde lui, Allah, il fait nous connaître personne pas capable d'accorder ni donner. Allahumma adi anfusana taqwa. Ou Allah, accorde nous nafs taqwa. Ou azakkiha. Purifiez nous nafs. Anta khayru man zakkaha. C'est toi le meilleur qui purifie ma âme. Anta waliyuha. C'est toi son protecteur. Ou maulaha. C'est toi son maître, son propriétaire. Pas de frère, pas de sœur, Alhamdulillah, avec nous l'aider à nous dire, finis-la la paix et nous souhaiter qu'il y durable. Finis-la la paix dans, entre Israël avec Palestine. Nous faisons voir qu'il s'allait tenir et ben, frontières ouvertes, manger puis rentrer, médicaments puis rentrer et bilan. 2500 du monde mort. 10 000 du monde blessés. Majorité des enfants. 75 officiels, ce qu'Israël veut dire, ce soldat mort, pour lui c'est 75 000 du monde. Là, ce n'est pas le moment pour faire bilan. Là, le moment pour ce qui implique l'ONU, appliquer l'ONU, nous réagir. C'est la solidarité. À cause de ça, nous comptons, nous remercions Allah. Quand Allah lui dit bien pour quelqu'un, quand Allah est content qu'il gagne, Allah met clé à son service. Nos mouvements à travers l'île, ils mobilisent à travers l'île pour collecter ma vivre, pour collecter ma alimentation de première nécessité. Après, nous mettons comment pour avoir l'île là-bas, ça par où département, moi, la position que vous mettez, moi, nous, et là, mon contact pour nous avoir l'île là-bas. Donc, tout mon point essentiel à travers l'île, tout mon grande surface, où vous trouvez, il est créé solidarité, et dans nos banderoles, et dans nos bandes enfants, nos bandes sénés, il mobilise à travers l'île, north, south, east, west, partout, et même dans pour lui. Où, et dans sa location à devant où, pour montrer aux solidarités, un baldiri, ou bien un bal la farine, ou bien un pélanti, n'importe qui affaire qui vous pouvez mener, nous pour collecter l'île, et nous pour acheminer l'île vers sa destination. L'Omimba, Allah peut témoigner, vous pouvez prendre la responsabilité de tout ce qui vous donnez pour venir répondre où dans le tribunal Allah. Est-ce qu'il vous est capable de comprendre sa responsabilité? Je vais faire vos requêtes avec le gouvernement pour les donner moi, tout pays avec qui besoin. Allah témoigne, Allah nous peut dire, les donne-moi permis, pas de moi permis. Travaille pour le plaisir d'Allah.
Et il est obligatoire. C'est l'expression de la solidarité, pas musulmane, mais mauricienne. La communauté mauricienne en général a besoin de contribuer. Et nous, à l'aide de nous, sa position-là, pour nous transmettre sa solidarité-là au peuple palestinien, particulièrement dans Gaza. Mais il y a des gens qui veulent aller, les 4, les 5, et moi, nous vous suivons après. On demande avec l'ambassade égyptienne de nous avoir en tant qu'implémentaire, il vous donne permission pour aller dans Gaza. Alors, au prix de la vie, être au service de l'humanité, nous n'avons pas exprimé la solidarité de nos pays, particulièrement de la Oumma de Rassoul, cette solidarité, nous pouvons l'exprimer là-bas. Donc, mon frère, c'est tout qu'il a. Bizin, monsieur faire pour lui, madame faire pour lui. Ou bien la famille faire ensemble, au moins, marche de présence dans faveur à Allah, dans Allah sur l'amour, par être content qu'il gagne. Allah mettre au service des autres. Faire vous-même l'honneur pour être dans l'amour à Allah. Quand vous voulez, un paquet d'entier, un paquet d'âme. Un paquet de sel, vous pouvez mettre lui dans la table pour le décolleter. Rassurez vous-même qu'il y a compte en vous et que vous retrouvez sa action-là après l'amour. Et rappelez bien, Allah va pas nous mettre pour les retourner, non. Il n'a pas fait avouer l'abd. Allah tout le temps, il faut aider le serviteur aussi longtemps qu'il y a une souffrir. Ou n'a pas connu le Palestinien, mais ou les guerres, les connu le Palestinien. Ou nafs au lourd, les connu. Quand qui veut débouter contre la solidarité, pour aller dans le Mokandas, quand ils ont 10 ans écoulé, pour défendre le Mokandas. Sa iman là, sa islamia, et sa ummat là. Mal l'a yachtam les umour et muslimin, c'est lui qui vient un traga, fidèle, pour affaires musulmans. Fallait savoir le hum, il y a des ummat, tout le monde, monsieur, madame, même les 1 roupie. Dans n'importe façon, directement, indirectement, ou doit une Kaboul, à Zodji, les habitants de Gaza, ils gagnaient dans cette guerre-là, au prix de 2 500 qui coulaient. À Zodji, la tête pleine baissée. Jamais même couvé pour demander pardon, nous pouvons demander la paix, nous pouvons demander la paix. Non, c'est Israël qui demande la paix, Israël qui signe la paix, et Israël qui fait la frontière ouverte partout, et puis remonte dans l'hôpital, quand je casse, puis remonte dans l'hôpital, puis remonte dans l'école, et même l'aéroport qui s'est écrasé, combien d'années quand il est dans l'aéroport, ça aussi, il gagne dans la négociation. J'ai Alhamdulillah parce qu'on demande droit. On demande droit quand personne ne va faire à nous, mais Allah qui connaît, on doit être favorable. Maintenant, on peut demander au nom d'Allah faire un geste positif, contribuer le bas de la table qui en a 4 dans pour lui. Après, en dehors pour lui, il y en a 37 la table en tout, en dehors pour lui. N'importe quoi de ça, faire une famille connaît, et Inch'Allah, nous gagnons une approbation de vous faire travailler là, arriver jusqu'à là-bas. Quand vous nous demandez de vous filmer, de vous donner un compte rendu dans la transparence, Inch'Allah. Et je fais tout pour me rester dans l'encadrement, parole qui va se dire, pour inciter sa oummat là, pour l'aider de son père. Bien respect pour Rasulullah, rappelle bien, Allah il commence par lui-même, il dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Après il dit Iman imanda, ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وبارك على محمد كما صليت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلى الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين والأمهات المؤمنات الطاهرات ومن تبعهم إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ارحم الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك وأعداء الدين ودمر اليهود والمشركين والكافرين والظالمين أنت مولانا فانصرنا عليهم جميعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أولاً nous voilà devant toi dans sa première Jumu'ah dans Dhilqa'dah avec toute ma faveur qui te fait l'honneur et nos âmes qui ont pu fonctionner. Mais nous l'avons avec beaucoup de péchés. Honorable, pardonne-nous nos péchés,
purifiez nos âmes, investis-nous la guidance et l'assistance. On aura fait à nous et nos bons frères dans Gaza, n'importe qui s'en a qui est financièrement des réclames, des récits. Et là encore des récits qui peuvent attirer la police là, ou rendement de service pour réclamer, ou récits qu'on peut contribuer financièrement. Sinon, si vous pouvez contribuer en termes d'alimentation, ou contribuer pour faire plaisir à Allah. Et nous demandons à Allah d'avoir qu'Allah lui satisfait avec les efforts qu'il nous peut faire, qu'Allah fait nous une sincère, honnête, sérieux, et qu'Allah mette nous à ce service avant qu'il la montre. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuha alladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة نجب دين الصلاة ونغني شكرا أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله